17 au 25 juin 2017 à Paris, je proposais des workout basket, séances de travail individuelles. Je voulais te faire partager un bilan de cette expérience et en même temps t'expliquer quelques différences avec un entraînement de club. Car nous ne sommes pas nombreux à proposer cela dans le basket francophone et je crois être le seul à en vivre en France actuellement. J'ai eu 7 joueurs différents, dont 4 gars et 3 filles sur 9 jours, de 10 à 37 ans, de niveau départemental jusqu'au niveau équipe de France U16. Autant dire que chaque joueur était très différent, du débutant à l'expert. Beaucoup de personnes s'étonnent que des basketteurs prennent des cours particulier. Pas moi, car aux USA, tout le monde prend des cours individuels, que ce soit en sport, à l'école ou dans le monde professionnel. D'ailleurs, toi aussi, sûrement, tu as déjà pris un cours dans une matière où tu veux être meilleur. Les workouts sont donc des cours particuliers, plus adaptés et plus poussés. Rien de bien original, sauf en basketball visiblement. Un autre avantage d'un workout, c'est que tu ne seras pas noyé dans un groupe, comme c'est le cas en club, et que moi, en tant que trainer, je te ferai progresser toi et personne d'autre. La progression, voilà le facteur déterminant, non? Si tu aimes le basketball et y jouer, tu dois certainement aimer t'entraîner et donc devenir meilleur. Moi, en tous les cas, quand je participe à un sport, je n'aime pas perdre et donc je fais en sorte d'être le meilleur. En termes de progression, ce fut ouf. Et voici quelques exemples. Quel que soit le volume d'heures et le niveau des joueurs, tous ont eu une progression importante, parfois au-delà de leurs objectifs de départ. Je fais toujours un entretien avant les séances et un bilan après, quel que soit le volume de séances que le joueur prend. Sur la semaine, Christophe a fait 2 séances de 2 heures et à l'inverse, mes 2 expertes de championnat de France, Eve et Inès ont fait 25 heures sur 5 jours. Dans tous les cas de figure, pour moi, car j'étais formé ainsi depuis 1996, sur une séance courte d'une heure, un joueur doit progresser absolument. Et entre nous, si ce n'était pas le cas, je ne ferais plus ce métier car je serais trop frustré de ne pas faire progresser mes joueurs. De même que je ne garantirais pas les progrès à tous mes joueurs si j'étais mauvais. Par contre, force est de constater que je suis le seul à garantir à ce jour en France des progrès à tous mes joueurs. Bref, je vais te donner des exemples quantifiables de progrès sur les 7 jours de cette session de workout afin que tu puisses mieux apprécier ce qu'il est possible de réaliser avec moi sur une séance d'entraînement. J'ai été ainsi très heureux par exemple de voir progresser Christophe qui à 37 ans était très curieux d'apprendre afin d'épater ses potes sur les terrains. Sa première séance fut très fatigante pour lui car il n'avait jamais travaillé aussi dur et sollicité ses jambes autant afin de s'améliorer dans le 1 contre 1. La deuxième séance de Christophe, malgré une chaleur étouffante, fut une vraie révélation pour lui. Mon objectif était de lui donner en 2 heures tous les repères techniques sur le tir extérieur afin qu'il puisse être autonome ensuite pour progresser quand il s'entraînera seul. C'est souvent comme cela que j'opère avec des joueurs adultes. Et je suis fier de dire que ces 2 heures ont changé son tir à jamais. Christophe, en fin de séance, enchaînait les tirs à 3 points comme jamais il l'avait fait auparavant et il ne voulait plus partir du gymnase. Tellement il prenait plaisir à tirer et surtout à réussir ses tirs avec les techniques que je lui avais expliquées en quelques minutes. Je ferai d'ailleurs un article sur les progrès du tir très vite car c'est vraiment bluffant. La deuxième séance de workout que j'ai envie d'évoquer, c'est la progression de Eve et Inès, mais ce sera dans un futur article. En attendant, si toi aussi tu veux progresser, je te suggère de venir en camp ou en séance privée afin de passer un cap basket avec moi.